le lac des Cygnes. Moi, j'ai le rôle de Siegfried et Pierre a le rôle de Rothbart. C'est les deux rôles principaux. C'est quand même un rôle d'étoile et faut que j'assure, quoi. C'est un honneur. C'est incroyable. C'est une opportunité vraiment sublime. Voilà. Toi, tu te souviens d'avoir juré et tout de suite, tu attends sa réponse. Moi, j'ai juré. Le travail qui est pour moi le plus difficile, c'est de vraiment incarner le personnage. Et j'ai beaucoup de mal à faire justement les moments qui n'étaient pas annoncés. Donc un peu un rôle d'acteur qui, nous, on n'a jamais travaillé. J'ai vraiment l'impression de voir des panneaux de circulation, là. Tel que vous le peignez là, vraiment... Oui, sauf que, tu vois, c'est ça le problème. Vous êtes comme ça. C'est vraiment l'autoroute, quoi. Le bonhomme qui annonce les travaux. Il y a une coordination à attraper. Qui est pas facile, facile. Hein. Allez, on y va. Et 8, et 1, et 2, et 3, et 4. Je veux juste voir comment vous déroulez, qui est devant, qui est derrière. Allez-y, allez-y. La napolitaine. Monter le lac des Cygnes en tant qu'étudiant au conservatoire, c'est impressionnant. Parce que ce ballet, c'est un mastodonte. C'est le ballet classique qu'on rêve de faire depuis qu'on a commencé le classique pour la plupart. Donc ouais, c'est quand même un sacré enjeu. Et tomber en l'air et le bras, rond, 1, 2, yes. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Oscar, quand tu tam-tam-tam-tam-tam-tam, tout ça c'est bien. Tu peux les attendre de dos, les regarder. C'est plus joli si tu... Hein? Si tu sors par là et tu... Voilà, tu passes tranquille, t'as le temps. Que ça, quoi. Est-ce que c'était bien, la répète, tout à l'heure? Ouais, c'était cool, ouais. Ouais, c'était cool. Et ça arrive vite. Ouais. Là, on a 10 jours. Bah ouais, J-10. J'ai peur d'être ridicule sur scène, en fait. j'ai peur de me retrouver tout seul sur scène et vraiment d'avoir l'air con, genre. Genre quand t'as rien à faire, c'est le pire truc parce que tu te sens vraiment ridicule, je sais pas. Déjà t'as fait des progrès de ouf, hein. Moi je le vois. Après bah, il te reste 10 jours quoi, c'est pas comme s'il te restait une soirée. Ouais c'est sûr, mais 10 jours c'est pas beaucoup. Mieux vaut voir le verre à moitié plein quoi. Ouais.